Le sujet des violences policières est toujours tabou en France. Votre serviteur en a fait la triste expérience à la télévision. C'était sur la chaîne parlementaire, dans l'émission Droit de suite, rediffusée justement cette semaine. Il y était question, en principe, de désobéissance civile. Donc, quelque part, je ne dis pas que j'approuve du tout les zadistes, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui peuvent me choquer. Et je vous rejoins sur un point, cher Jean-Frédéric, c'est pour moi, la ligne rouge, c'est la violence. Ouais. Mais avant, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à ce que certains citoyens nous disent. Vous voyez, je vais vous donner un dernier exemple, parce que je ne veux pas... À ce jour, sur la ZAD, les morts sont du côté des zadistes. Hein, c'est la ligne rouge, c'est la violence, vient de dire Yann Gallou. Oui, la violence policière. On n'est jamais officier avec des méthodes de violence. Moi, je vais vous dire... Non, bien sûr, et nous n'avons pas tué Rémi Fraisse. Rémi Fraisse est un zadiste, et c'est la police qui l'a tué, en toute impunité d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça, vous le savez, c'est plus compliqué que ça. Ah ben, il est mort. Mais ce qui est certain, c'est que quand on parle d'atteinte à la propriété privée, quand on vote des politiques qui privent des millions de Français de toute propriété, en les expulsant de leur logement, en les privant du droit au crédit, en les privant de simplement un emploi et un niveau de vie décent, bien sûr qu'on est dans une très grande violence. Quand la police peut tuer régulièrement dans les quartiers populaires, en toute impunité, bien sûr qu'on est aussi dans des pratiques hors la loi, mais qui sont sanctionnées au sens d'approuver, de laisser faire. C'est Amnesty International qui le disait en 2009. 3000 policiers poursuivis pour des faits de violence, 3 condamnés. Je veux bien qu'ils ne soient peut-être pas les 3000 coupables, mais peut-être pas seulement 3 non plus. On est dans des niveaux de réalité dont les zadistes et les autres désobéissants ne veulent plus. Avec 10 à 15... Oui. Je peux entendre une partie du discours de monsieur. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas entendre alors ? Il y a une partie que je n'entends pas du tout. La partie de gauche, vous l'entendez ? Non, il y a une partie que je n'entends pas du tout, c'est vos critiques là sur la police, parce que moi qui suis à la commission des finances, j'étais à la commission des lois avec monsieur Poisson il y a quelques temps encore, je n'accepte pas ces critiques là. On est quand même dans un système où aujourd'hui il y a un état de droit. Pour Ziadebouna, il n'y a pas d'état de droit. Pour Macomé, il n'y a pas de droit. On peut saisir la justice, on peut avancer. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Il y a des policiers qui sont sanctionnés quand ils le méritent. Mais je trouve que là, vous exagérez sur ce point de vue-là. Parlez-moi d'un policier qui a été condamné parce qu'il avait tué en prison le vieux monsieur qui a été tué en banlieue parisienne. Alors, on va les violences. Étouffé dans une cellule. Vous trouvez toujours un exemple. Où sont les condamnations judiciaires de ces policiers ? Vous trouverez toujours un exemple. Moi, je veux qu'on recentre le débat. Monsieur, lisez le rapport d'Amnesty International sur l'état de notre police et du respect des droits de l'homme en France. En tout cas, ce qui se passe dans les commissariats. Monsieur, je m'inscris en faux. On va le regarder, ce rapport. Je vois dans je m'occupe à l'Assemblée nationale de la police et je n'ai pas du tout cette vision-là que bien vous décrivez. Bien sûr, regardez les vidéos sur YouTube de comment les policiers traitent les migrants à Calais. Juste revenir au débat.